Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Oui, je travaille dessus. De... donc Subnautica, chers amis, nous sommes... Ah, je suis full. Bouton gauche pour manger. Voilà, je mange. Parfait. Ai-je suffisamment mangé? On va bien voir. Crac, crac, crac. Ça me donne un petit peu d'eau en plus. Ce qui est très très cool. Ok, donc nous y sommes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je tourne cette vidéo un petit peu à l'arrache. Je vais... Ah bon? Oula! Non, ça va bien? D'accord, ok. Bref. Ok. Bon, c'est pas grave. Crac. Et on a toujours rien. Ok, donc je vous donne un petit peu cette vidéo à l'arrache. Pourquoi? Parce qu'en fait, suite à une mise à jour, Robocraft a un problème de matchmaking. Oui, il en avait pas avant. C'est ça aussi, j'ai pas compris du coup dès le départ. Je me suis dit merde, ça veut dire qu'il en avait pas avant, tout ça. Bref, tu veux bien remettre tes mains de manière classique, s'il te plaît, merci. Ici ça progresse et ici y a plus rien. Ok, bon. On n'est pas trop mal en termes de base. Maintenant, il faut évoluer. Il va me falloir le Moon Pool déjà de base. Il va me falloir plein de choses de toute façon déjà de base. Énergie 26%. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose à ce sujet là aussi. Il faudra aussi que je le répare un petit coup. Veux-tu un petit coup de réparation? Je crois que c'est ça la réparation. Voilà. Je te répare. C'est cool. C'est cool. Maintenant, je vais chercher un petit peu de... truc pour la boisson là et comment les... Je sais plus comment ça s'appelle, les air sacs. Ce serait vraiment cool d'en trouver dans le Queen. En attendant que... hop. Bonjour. Tu es très très moche, dis-moi. T'intéresses toujours à moi? Non, c'est bon, je t'ai dégoûté. Là, il y a des œufs encore. Il me faudra un air sac. Gros sac. Il n'y en a pas, hein. J'ai beau les appeler. Je fais le cri en rut du... Enfin, le cri du rut de comment, de l'air sac. Gros sac. Ah, vous voyez, regardez, ça en a tiré un. Deux. Bah oui, le couple, forcément. Oh, merde. Sale bête, tu l'as bouffé. J'espère qu'il va me rester de l'eau dedans. Enfin, de l'air dedans, pour en mettre. Merde. Ouais, c'est bon. Hop, voilà. Hop. Fais-moi à boire, fais-moi à manger. Donc oui, Robocraft est en maintenance, du coup. Enfin, a des problèmes de commande matchmaking. Et mon installation des Dangerous est complètement plantée. Donc là, elle est en cours de retéléchargement. Ce qui n'est pas rigolo du tout. Et du coup, voilà, tout bêtement, hein, c'est comme ça. Ben voilà, on est presque full. Et là, maintenant, regardez. Regardez. Hop, c'est bon. Crac. Tic-tac. Tu craques. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut pour améliorer les palmes? On a les palmes de charge qui pourraient être intéressantes. Mais bon, pour l'instant, ça ne l'est pas. Je préférerais plutôt les palmes ultra glissantes avec deux caoutchoucs en silicone. Oh. Pour ça, il me faut, normalement, si je me trompe pas. Regardez. Bla. C'est ici. Deux graines de vigne. Ça tombe bien parce que les graines de vigne d'orin. Sont pas assez grosses. Voilà, j'en ai deux. Et il m'en faudra quatre au total, hein, n'est-ce pas? Voilà. Merci Jean-Marie d'être passé dans l'émission. Crac, enfin dans la vidéo. Ok. Une. Ah merde, ça, je pensais que ça garderait l'interface ouverte. Et deux, ça fait deux. Bon, ça c'est cool. On s'en sort bien. Hop, crac, tic-tac, tu craques. Toi, je te mets là, voilà. Crac. Palme ultra glissante pour plus de vitesse. Ce qui pourrait être pratique. Alors pourquoi j'ai choisi de faire celle-ci plutôt que celle qui permet de recharger? Bah je vais vous le dire, pour faire maintenant du coup, pour passer à Sarkozy. C'est que c'est génial, on fait de la politique dans ces vidéos maintenant. C'est nouveau. Simplement que si on veut aller visiter, vous savez, l'intérieur du de l'espèce de gros arbre qu'il y a par là, ça pourrait être sympa. D'avoir ce qu'il faut en termes de vitesse pour nager plus rapidement. Sans avoir à...
Ça doit être celui-là en plus, hein. Pas forcément, du coup, maintenant que je le vois comme ça, c'est pas forcément celui-là. Ça me semble pas être le plus ma... Ah voilà, c'est celui-là. Le plus massif, j'allais dire, mais effectivement, c'est pas le plus massif. C'est celui-ci le plus massif. Mais du coup, est-ce qu'il serait pas intéressant pour nous? Alors, je sais, attendez, 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 je sais que je viens de faire une connerie en y allant tout de suite, mais je crois savoir qu'il y a un fil d'Ariane dans ce jeu. Si ceux qui connaissent un petit peu la mythologie ou rien que le nom et la compréhension de ce que ça implique, c'est tout simplement un fil qu'on va laisser derrière nous pour pouvoir mieux ressortir. Tout bêtement, normalement c'est comme ça. Et je sais pas du tout comment ça fonctionne, je l'ai jamais vu utiliser ni rien. Du coup, ça m'intrigue. Finalement, on va peut-être faire ça d'abord. Crac. Putain, oui, c'est vrai que là, pour le coup, on sent la différence. Putain, la vache. Attendez pas à autant de différence. Bref. Outils. Personnel, outils, j'imagine que ça va être là-dedans. Fusée éclair en poche d'air fil d'Ariane. Échantillon de vine de Rhin, x5 et un titane. Échantillon de vine de Rhin. Alors attendez, ça veut dire qu'il faut que je le prenne au couteau. S'il faut que je le prenne au couteau, il faut que j'équipe mon couteau. Voilà, on y va. Ah merde. Forcément, je suis plein. Puis ça m'emmerde d'avoir cassé l'une d'entre elles. Je vais en chercher une dernière. Ce qui est débile, ce que je viens de faire, puisque en fait, je vais devoir. Voilà, merci. Je vais devoir déjà d'une aller en chercher là-bas. Et de deux, crac. Ah bah, j'avais déjà un couteau de survie. Voilà, c'est celui qui est équipé. Oui, c'est celui qui est équipé, je suis con. Ce que je peux faire, c'est mettre l'extincteur pour le moment. Ici, avec pourquoi pas ceci. J'espère que je me suis pas planté. Ça, je peux récupérer ici. Ici. Ceci. Voilà, je suis complètement full. Je vais même remettre ceci ici pour le moment. Et ici, je peux récupérer un petit bout de titane. Ou ici. Oh. Ça va être tout noir. Ta gueule. Okay. Ah, voilà. Voilà plus ou moins ce que je recherche. De l'or. Non, c'était pas ça. Ah. Alors, on m'avait dit des trucs, chers amis, hein. Faut juste que je les enregistre, ces trucs-là, par contre. Oh là, ça devient un peu vert par là, c'est bizarre. J'aime pas ça. C'est qu'en fait, en fonction du nom, je peux plus ou moins deviner ce qu'il y a dedans. Putain, si ça c'en était, par contre, j'ai véritablement la haine. Non, c'est de l'or aussi. Bon. Je suis sûr qu'il faut que je lâche ça. Je peux pas lâcher dans le champ intérieur? Ah, non. Ok. Why not? Why not? Why not? Because not. Because I'm too seul. Il n'y a personne. C'est flippant. Pas de problème en single. Wouhou. Ah, je suis 6 ans. Non, voilà. Ah, c'est mieux. Alors, je veux bien que tu vires ça. Merci. Pourquoi l'interface est transparente? C'est juste du sable. C'est juste du sable. Vous voyez, je me suis fait hein. Bêtement. Là, c'est pas du sable. C'était du minerai d'argent. C'est pas ce que je cherche. Mais je vais le garder. C'est chiant. Je pourrais pas trouver ce que je cherche directement. Je gagnerais du temps. Hein. Ce serait bien plus mieux. Hein. On a plein de choses encore à trouver, chers amis, plein de choses encore à faire dans ce jeu. C'est ce qui est d'ailleurs assez génial avec, hein, avec ce jeu. C'est que on a l'impression d'en avoir toujours pour notre argent. Je suis sûr de pas l'avoir là, on est d'accord.
Ok, je viens de faire un tout petit peu de place dans l'inventaire, ce qui fait que je peux récupérer plein de choses. Plein de choses. Et ben voilà qui n'aide pas! Qui n'aide de Stark, hein, d'ailleurs, même je dirais. Hein. C'était nul, excusez-moi. Du lithium un peu partout, c'est génial, c'est que j'en cherche pas pour le moment. J'en trouve plein, mais je suis au bon endroit pour en avoir, cela dit, c'est assez cool. Passez-vous! Ok, en termes d'oxygène, on a 30 secondes, on va rentrer à la base, on va respirer. Ah! Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est bon. À chaque fois, j'ai l'impression de voir une énorme ombre quand je sors. Pas pourquoi. Ah bah, je sais maintenant. J'ai l'impression que ces trucs-là, voilà. Alors, je l'avais dit. Je l'avais dit que ces trucs-là étaient potentiellement en train de faire de péter ma partie. T'es sérieux, la fils de pute? Titane. C'est bon, j'en ai! Bon, par contre, il t'est pas finalement aussi. Vous voyez, à chaque fois qu'ils font ce bruit. Vous voyez la merde? C'est bizarre, hein? C'est bizarre, selon moi. Surtout que je vois pas énormément de. En fait, de. Comment que ça s'appelle? De. Alors, non. 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 Oui. Fil d'Ariane. Oui! Donc ça peut être intéressant de pouvoir le tester finalement. Je vais le mettre ici. En termes de bouffe, on est bon. En termes d'oxygène, on n'est pas mauvais. Enfin d'eau, pardon. On n'est pas mauvais. Il me faudrait quand même. Schéma. Enfin, je regarde si je l'ai en fait. Ça peut être intéressant, ça aussi, tiens. Je savais même pas que je l'avais. Ça non plus, je savais pas que je l'avais. Polyanthine, c'est ça, hein? Polyaniline, d'accord, ok. Je te le dis. Ok. Bref, c'est pas ça que je cherche pour le moment. Ce que je cherche actuellement, chers amis, c'est de quoi faire de l'eau. Mais je crois que je ne l'ai pas. Pas encore, en tout cas. Ça existe. Ça existe, ça existe, ça existe. Lingot de plastacier, ouais, pour l'instant c'est pas ça qui m'intéresse. Il existe des machines, chers amis. Alors attendez, je vais faire plus simple. Je vais aller dans mon inventaire. Voilà, c'est bien là, oui. Je vais prendre ça en deux. C'est quoi qui fait bip bip bip? Ah d'accord, c'est parce que pour me dire qu'il y a un kit médical qui est fait. Ok. Donc ça c'est module externe, donc non, pièce d'intérieur, voilà, c'est déjà ça. Bioréacteur, réacteur nucléaire, cloison, d'accord, non. Module intérieur, fabricateur, non, relais, non, 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 donc je l'ai pas là. Et apparemment, ça c'est que du cosmétique, voilà, c'est que du cosmétique, donc ça m'intéresse pas. Donc je n'en ai pas encore, je l'ai pas encore trouvé. Ok. D'accord, elles sont toutes chargées à 100%. Ok, maintenant on est bon. Crac. Ça doit être à l'arrière. Voilà. Parfait. Et j'en balance une. Potentiellement celle-là. Voilà. Ici, toutes les deux sont pleines, hein, on est d'accord. On est d'accord. Ok, on y va, chers amis. Cette fois-ci, on y va pour de bon. Hop, si on retrouve le bon d'ailleurs au passage. Il est là. Ok, parfait. Donc on a plus ou moins ce qu'il faut. Donc actuellement on peut pas se paumer. On ne peut plus. Alors je sais pas quelle quantité de fil finalement je vais avoir aussi sur moi. Hein. Alors je sais que normalement il y a un trou par là. What? Qui a osé me rentrer dedans?
Ok. Alors, on est rentré dedans une fois. Ça... C'était en bas? Je doute que ce soit en bas pourtant. Bah, apparemment, c'était en bas, hein. Ah, c'est marrant, mémoire, j'ai cru que c'était... Aïe, j'ai cru que c'était haut. Oh la vache. Ah voilà, c'est bien qu'il me semblait. Ok. Donc on sort. Là. On place ça en deux. On re-rentre. Et on y va. Marche encore, on est d'accord. Hein. Ça marche encore, tout est relatif. Hein. D'accord, pour récupérer l'angle. D'accord, ça a l'air assez approximatif comme principe. Hein. Ok, on y va. C'est quoi ce bordel? Ok. Oh là là. J'ai l'impression que c'est encore plus vicieux que ce que c'était censé être. Allez, forcément. Il est débile. En train de me dire que depuis le début en fait je tourne en rond comme un con. Ah, voilà. Ok, mais ça a l'air à moitié vide dans le coin en fait. Lithium, ouais, je sais pas. Ok. Ok, c'est exactement ce que je ne voulais pas voir. Vous voyez, c'est ça le problème. Ouais, bah écoute, oxygène, oxygène. Voilà. Donc finalement, cet outil ne sert strictement à rien. C'est quand même vraiment dommage. Hein. Voilà. Bon, bah, fil d'Ariane, fil de merde. Hein. Ok. Vous avez perdu du matériel. Vous avez perdu quoi? Ouais, tout ce que j'avais emmené, quoi. Plus qu'à chercher le Simos maintenant. Ok. C'est pas grave. Alors, question. Non, non, mais toi, ta gueule déjà. Hein. Oh là là, puis elle est complètement buggée. Regardez, on la voit la corde. Ouais. Ah puis j'ai plus d'énergie là-dedans. Vas-y, full batterie, full power. Ok, bon bah le fil d'Ariane, c'est un fil de merde. Ouais, vas-y, affiche-moi la corde, c'est rigolo. Mais je me doutais bien que ça allait pas être magique. Pour être tout à fait honnête avec vous. Mais je m'attendais à beaucoup mieux quand même. Ok, bon bah tant pis, on n'ira pas visiter l'endroit. Bah c'est près de l'abysse, on va aller par là.
Il va nous falloir quand même un peu plus d'exploration, chers amis, pour pouvoir trouver ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin. C'est-à-dire le Moon Pool pour le moment. J'aimerais bien avoir le Moon Pool pour pouvoir améliorer mon vaisseau, enfin mon Simos. Et à l'avenir aussi potentiellement construire d'autres choses. D'ailleurs, il est vrai qu'on pourrait se renseigner aussi de base pour ce qu'on pourrait. Enfin, ce dont on a besoin pour le Cyclope. Pour le Cyclope, il faudra d'abord qu'on monte. Qu'on retrouve nos copains. Qui, je l'espère, n'auront pas dérivé. Non, ils sont là. Ok. Hop. Crac. Ok, pour le Cyclope. Bonjour. Lingot de... Alors attendez, il faut que je note tout ça parce que sinon ça va pas le faire. Alors, lingot de plastacier x5. Plastacier. x5. Verre émaillé. Verre émaillé x5. Lubrifiant x2. Ça, c'est pas le plus dur. C'est vrai en plus, hein. Et un kit de câblage avancé. Kit câblage avancé. Ok, maintenant qu'on a tout ça, on peut aller voir déjà à la base. Alors, pour ça, je regarde même pas, hein, c'est. Pour le moment, c'est pas pour tout de suite. Il faudra que j'ai le... Une fois que j'aurai le Cyclope, en fait, le Prone servira à quelque chose, puisque je pourrai le transporter, en fait. Mais pour le moment, c'est pas véritablement le cas. Oh, cette musique. Ok. Sunbeam broadcasting to all survivors of the Aurora. We've covered more than half the distance, so hold on in there. We're scanning the planet for dry land as we speak. You couldn't have picked a less convenient parking spot. But we'll be in touch as soon as we have a landing site for you. Sunbeam out. Merci. Donc, matériaux avancés, je pense, hein. Même pas. Alors, le kit de câblage avancé, il me falloir un circuit intégré. D'accord, c'est pas si compliqué finalement. Et deux or. Pourquoi pas? Lingot de titane, nanana. Lingot de plastacier, lingot de titane plus du lithium. Oh, mais en fait, c'est facile. Bon, bah, on va se vider. On va. Voilà. Ok, vas-y, bonne charge. Ok. On va se vider. On est où dans l'épisode, chers amis? On est où? On est où? On est où? On est où? On a 22 minutes. Eh bien, écoutez, je pense que dans le prochain épisode, chers amis, on va farmer tous les objets, tout ce qu'on peut trouver en rapport avec l'Aurora. Vous savez, tous les débris d'Aurora possibles et imaginables. Et une fois que ce sera fait, bah écoutez, on ira voir pour le reste. Je regarde juste, je peux en mettre. Allez, donc faut que je fasse encore un petit peu. C'est dans ma tête ou c'est... Vous entendez comme moi le psing très 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 lourd et très très chiant. Ça, j'en ai pas besoin. Laser cutter, outil de réparation, je peux en avoir besoin. La lampe torche, j'en ai pas besoin. Alors du coup, on a peut-être trop viré du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais en virer encore un, ce serait cool. Je peux peut-être virer une pile. Voilà. Et là, je peux apporter 6 débris. Ok, donc je rentre à l'intérieur, je sors, je sais pas pourquoi. Les amis, moi je vous laisse là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé. En tout cas, on aura su que le fil d'Ariane, c'était moisi dans le jeu pour l'instant. Et que, bah écoutez, on n'est pas à même d'explorer un petit peu l'espèce d'arbre, l'espèce de grotte sous-marine là qu'il y a à l'intérieur de cette formation en forme d'arbre. Très bizarre à dire. En tout cas, les amis, moi je vous laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop!